que les gens sont en carême, il y a d'autres sorciers qui sont sortis pour séparer ces couples que vous voyez, de Bob Dylan et puis MK Michel. Souvenez-vous, notre vidéo intitulée MK va se marier. Allez regarder, écoutez ce qu'Elliot Stress a dit là-bas et puis revenez ici. J'ai dit quoi? Quand vous avez votre chérie dans les réseaux sociaux comme ça, hein, les gens vous voient que vous vous aimez, les gens vous voient comme ça là, en amour, ça leur gâte les cœurs. Donc, ils ne sont pas contents, ils vont chercher à tout faire, coûte que coûte, pour vous séparer, pour vous détruire. Récemment, pour MK Michel et puis Bob Dylan, maman Audrey est là. Et d'autres mamans sont là. Bob Dylan est monté même sur les lives. On lui a conseillé de ne pas répondre aux jaloux, de ne pas répondre à tous ceux qui font leur bouche concernant leurs histoires, disant le passé de MK Michel. Qu'est-ce que ça a à voir avec le passé de quelqu'un? Quelqu'un est fiancé. Son passé, ça a quoi à faire? C'est à son futur mari de découvrir. Et de pardonner s'il veut pardonner et passer à autre chose. Nous, vous pensez même là que là où vous êtes assise, là, Bob Dylan ne sait rien ou bien ne sait absolument rien. Non! Ils sont passés des temps ensemble pour que Bob Dylan décide de la fiancer. C'est qu'il a jugé bon. Il a jugé bon. Alors, le passé, ce n'est que le passé. On va suivre les lives et heureusement, maman Audrey est là pour sauver ce couple ici de Bob Dylan et puis MK Michel. Nos salutations à tout le monde, nos salutations à nos chers abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. Nos salutations à nos chéris, nos salutations aussi aux guetteurs et à tous ceux qui nous suivent à ce moment pour la toute première fois. On espère que tout le monde va bien. Nous aussi, on va bien malgré tout qui fait trop chaud. Et l'échauffement climatique ici, ça nous fatigue ici sous la toile. On va tous suivre la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter le travail du Bic Rouge, les analyses d'Elliot Stress, comme toujours à la fin de chaque vidéo. Si vous êtes ici, c'est votre toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elliot Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. S'il vous plaît, passez sur notre playlist, passez sur nos vidéos, regardez n'importe quel titre qui va attirer votre attention, qui va vous voler l'esprit. Regardez, mais ne commentez pas nos vidéos seulement à partir des titres ou bien à partir de l'introduction. Commentez nos vidéos, s'il vous plaît, après avoir écouté les analyses de Léo Stress, le travail du Bic Rouge à la fin de chaque vidéo. Donc, voici cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Tu m'as attendu, non? Il faut regarder le profil là, Espa, tout était sûr. Faut regarder le profil là, je te partage partout, parce que là, tiens, mon combat. MK, faut attraper Bob Dylan, bien des pardons. On te demande pardon, t'en prie. Voilà. Bonsoir, ma tata. Excusez-moi, bonsoir, le pardon. Parisien. Maman Audrey, je n'arrive pas à Ouais. commenter. Dès que j'envoie même le riz, on bloque mon commentaire. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est TikTok qui fait ça, maman. Moi-même, quand je passe sur les lives, je n'arrive pas à commenter. Je sais pas, c'est TikTok. Personne ne touche. C'est TikTok qui fait ça. Oui, le Parisien, on En fait, t'écoute. Moi-même, en on me fait, fait ça maman aussi. Audrey, ici venu vraiment juste pour vraiment pour apprécier vraiment le couple Bob Dylan et MK Michel. Donc, je tiens vraiment à souhaiter vraiment mes félicitations à mon frère Bob Dylan vraiment parce que j'apprécie vraiment ce couple et pour moi c'est le couple de l'année vraiment. Donc, en fait, il montre l'exemple vraiment à certains jeunes quoi. Donc vraiment Tapotez le live, s'il vous plaît. que vraiment le Seigneur vraiment bénisse ce couple et que ça aille vraiment de l'avant. Vraiment ça, comme la dame a dit, vraiment ce couple, vraiment ça, c'est notre combat et on va les soutenir franchement que les choses aillent vraiment de l'avant. Vraiment donc pour moi c'est le couple de l'année, le meilleur couple de l'année. Donc ils nous font rêver quoi. Donc j'apprécie vraiment ce coup et vraiment mes félicitations encore mon frère Bob Dylan.
D'accord. Et qu'est-ce que tu leur dis des ragots? Les ragots que ceux qui cherchent le buzz là, disent là. Les mensonges là. Bon, en fait, ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est que ceux qui pensent que, bon, peut-être c'est le bush, bon, pour moi, c'est que ça, là maintenant, donc, c'est entre Bob Dylan et MK Michel, parce que, bon, pour moi, c'est quoi? Si déjà, entre eux, donc, il y a quelque chose de sérieux, donc, moi, je me dis, c'est pas trop de se fier à ce que des gens disent, parce que des gens peuvent parler. Donc, c'est pas juste de se fier à ça. Donc, c'est pour moi, mon objectif, c'est d'avancer de l'avant, d'oublier un peu ce que les gens pensent. Donc, d'oublier un peu ce que les gens pensent. Parce que si certaines personnes pensent que c'est le buzz, mais au fond d'eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est tout, hein. T'inquiète pas, ce n'est pas le buzz, ce n'est pas le buzz. Je veux Ce parler que un les gens peu. pensent, c'est seulement ce qu'il faut penser. Bon, merci beaucoup, le Parisien. Je crois que Bob Dylan est là, il De t'écoute. Bob Dylan, c'est MK qui est là, mais elle t'écoute. Si MK a écouté, si MK a écouté, c'est Bob Dylan qui a écouté. Donc, Vous MK êtes et Bob comme Dylan vous forment voulez. un seul. Donc, c'est une même personne. Ouais, Oui, ferme ton exactement. micro, Vraiment, Marcus. Quand tu vas te je souvenir, tu soutiens ce reviens. coup, franchement. Je soutiens ce coup beaucoup. Je soutiens vraiment. Donc, qu'il aille Voilà. vraiment de l'avant. Qu'il aille vraiment de l'avant. En tout cas, bonne Ok, chance à force eux. à eux. Merci Vraiment, beaucoup. bonne chance à eux, vraiment. Merci pour ta contribution, le Parisien. Non, de rien, Voilà, en tout cas. on va écouter. Non, mais moi, de On va l'attendre, je vais écouter. oublier. En fait, je vais oublier. Attends, attends. En fait, ce que je voulais dire, je voulais aussi Oui, dis-moi. ajouter que, je voulais ajouter que s'il y a quelque chose, s'il y a un problème, maman Audrey, l'élève, va sortir. C'est parce qu'elle a écouté tellement Je de suis. vieilles mamans. Elle a écouté des vieilles mamans tout à l'heure, ça l'a pas plu et elle est venue lancer son live. Parce que quand la sorcellerie veut commencer, il ne faut pas tomber dedans. Ma petite soeur et son chéri, nous on est là, on va vous défendre. Ne répondez pas, il ne faut pas ils vont gâter le carême de ton mari et toi. Ne regardez même pas tout ce qui se passe. Maman Audrey, elle est là. Dès qu'elle lance son live là, nous on est là pour monter, pour la soutenir. C'est elle qui va répondre jusqu'à ce que le carême de Bob Dylan finisse. Et s'il a un truc à expliquer, il va faire ça après, mais pour même pas il va sortir dans le temps des carêmes. C'est tous ceux qui ont montré leur mauvais visage dans vos couples qui sont en train de sortir. C'est comme ça. Quand il y a tant de carêmes, même chez les chrétiens, quand tu pries, tu dis à Dieu, montre-moi mes ennemis, éloigne-moi de tout ce qui est mauvais. Quand tu mets ça dans la prière, et Dieu te montre tes ennemis et tout et tout. Donc c'est vos ennemis que Dieu attend de vous montrer aujourd'hui. Donc ne répondez pas. Ne sortez pas, maman Audrey, elle est là, on va la soutenir. Quand le carême va finir, si Bob a quelque chose à dire, et ça sera après son carême. Est-ce Non, qu'elle est il n'a tombée même pas dans. besoin de répondre, On Marcus. sait, Même si on sait, tu sais qu'est. on. Quand Le tu réponds aux gens, tu leur donnes le temps. cœur de l'homme est Et faible, tu fais maman la Audrey, tu vois, publicité. voilà. Le cœur de l'homme est faible, on ne sait jamais. C'est pour ça que comme il est là, elle est là, c'est pour ça que je dis cela, quoi. On ne sait jamais, au fait. C'est pour leur dire que nous, on est là. Maman Audrey aussi, elle est là. Dès qu'elle lance son live, nous, on est là. On va vous soutenir, mais ne sautez pas. Ne gâtez pas le carême. Laissez Dieu va faire vos palabres. Voilà. D'accord. Oui, qui est monté avant, c'est Calci. Oui, c'est moi, oui. Bonsoir, Calci, on t'écoute. Je vais donner le conseil à MK pour lui dire que la femme, c'est la mère du foyer. C'est elle qui a le bâton de. C'est vrai que l'homme, c'est l'homme. La femme doit être celle-là qui rassemble, qui écoute. Il y aura toujours des problèmes dans votre couple. Il y aura toujours des tempêtes, des mauvais gens, des gens qui diront du n'importe quoi. Mais il faudrait que tu saches que c'est toi que Bob Dylan a choisi. Donc, tu arrêtes ton cœur, tu écoutes comme Maman Béni a parlé tout à l'heure. S'il y a n'importe quel problème, que ce soit en route, que ce soit devant des gens, tu prends ton calme, tu rentres à la maison, tu lui parles. Je pense qu'il t'écoute énormément, il t'écoute beaucoup. Et il t'aime vraiment. Donc, tu l'écoutes, tu parles avec lui. Et le couple, c'est vous deux, au fait. Qu'il y a l'amour, qu'il y a la confiance et beaucoup de dialogue entre vous. Et je pense que tout va aller. Il ne faudrait pas que tu écoutes ce que les gens vont dire. Les gens diront toujours du n'importe quoi, que ce soit tes proches, tes amis et qui que ce soit. Mais écoute toujours ce que ton homme va te dire. Donc, c'est le conseil que je voulais te donner. Beaucoup de courage à vous deux. Merci beaucoup, ma belle. Oui, Merci on va beaucoup. prendre.
Anaël. Anaël. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, vas-y. Tapotez le live, s'il vous plaît. Un truc très important que j'ai aussi oublié de dire à MK. Tu sais, la plupart des gens qui détruisent les foyers des autres, par exemple, que peut-être que tu avais un train de vie et que maintenant tu arrives dans une relation, le train de vie change. Faut jamais écouter ceux qui te disent non, mais tu fais quoi là-bas? Avant tu étais ça. Non, non, non. Dans la vie c'est une vague, c'est une étape. Tu as vu les présidents là, non? Ils étaient riches, après on fait des coups d'État, ils deviennent pauvres. Donc, faut même pas écouter tes copines. Écoute ta tête, écoute ton cœur. Nous, on ne fait que te donner des conseils. Tu peux les prendre, les mettre en pratique, ça dépend. Tu fais du brainstorming, c'est-à-dire que tu notes tout. Pardon. Ce qui est bon. Je suis en live. Vous m'appelez pas sur. C'est qui m'appelle? Vous m'appelez pas sur. C'est parce que j'ai fait le téléphone que je fais le live avec. Vas-y, ma chérie. Oui, je disais, hein, de ne pas écouter les bruits de dehors, surtout des copines. Parce que le plus souvent, les foyers sont détruits aussi à cause des copines, en te disant non, mais regarde avant, mais ne regarde ce que tu es devenu. C'est tout ça là, l'étape du mariage, en fait. C'est ce que j'ai dit, il y a des hauts et des bas. Merci, Calcie. Il y a des jours où il y en a. Il y a des jours où il y en a. Il y a des jours où il n'y en a pas. Il faut juste supporter. Il faut être fort. Et quand tu as décidé, quand tu as déjà mis tes pieds quelque part là, tu écoutes un peu ce que les gens. Anel, ta connexion c'est pas dérange facile. Beaucoup. Non, mais c'est. Vous savez qu'on a des problèmes de connexion au niveau du Gabon aussi là. Et on a un problème avec la société. D'accord. Donc souvent il y a des petits bugs. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tapotez le live s'il vous plaît. Oui, on t'entend. Vas-y. Vous m'écoutez? Oui, vas-y. Tapote, on t'entend. En fait, je pense que j'ai un gros problème de connexion. Je veux repartir descends. Là-bas. Oui, descends, tu reviens. Il y a la dame là qui veut monter, qui parle, voilà, depuis elle envoie la connexion. Non, non, ta musique là, s'il te plaît, ma chérie, ta musique là, arrête un peu ça, sinon ça va pas se faire là. Voilà, allô? Allô? Oui, Babette, j'ai parlé, non? Je m'entends. En fait, c'est que je lis un commentaire là, en fait, je sais pas si c'est une invention. Ou Camille, là, qui dit que Bob doit tenir sa langue, en fait. C'est à elle que je voulais répondre. Que Bob doit pouvoir tenir sa langue. En fait, je voulais juste ajouter ceci, que c'est clair que les hommes, des fois, entre amis, entre potes, les gars veulent dire des choses et tout. Donc, les gars doivent, pour ma part, ils ne doivent même pas avoir vraiment les amis, ils doivent les considérer comme des connaissances et eux être de meilleurs amis, en fait. C'est tout ce que je voudrais ajouter. Qu'il ne se confie à personne parce que chacun va vouloir dire ah, je connais telle chose et c'est comme ça que les gens vont raconter n'importe quoi sur eux. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord, merci 225. Bon, en tout cas, je veux. Il y a Mr. Tafak. Tafak. Oui, on t'écoute. Oui. Bonsoir. 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 La question dérange vraiment, et c'est dans, excusez-moi vraiment pour le réseau. D'accord, c'est pas grave. Là, maintenant, on t'écoute. Hein. Tu peux parler. Déjà, je voulais dire à MK Michel, bon, puisque vous avez dit que c'est elle qui est là. MK Michel, tu as une grande soeur que j'apprécie beaucoup. Mais non, il y a pas une chose grâce, que moi, je pas. N'aime pas sur toi. Non. Tu n'es pas venue ici pour la juger. Non, c'est ma grande soeur. Non, tu n'es pas venu pour lui dire qu'il y a juger, j'ai juste. Non, tu as eu. Ce que tu dis là, non, ça ne va pas dans. Non, c'est pas méchant. Mais quand tu disais qu'il y a une chose que je n'aime pas chez toi, ça n'a pas sa place. Bon, maman, on a fait le live, c'est pour la soutenir, c'est pour lui donner des conseils. Et si toi tu es sa petite sœur et que tu viens dire qu'il y a une chose que je n'aime pas, ça. Je ne pense pas que tu es sa petite sœur. Tu as quel âge? Dis-moi, tu as quel âge? 21 ans. Et tu dis que tu es sa petite sœur. Tu es sûr qu'elle a 21 ans?
Et tu penses qu'elle a 21 ans. Quand tu vois MK, elle ressemble à une fille qui a 21 ans. Je sais qu'elle a plus de 21 ans. Ça, c'est ce que toi, tu penses. On ne vient pas ici la juger. Elle a déjà assez de problèmes bon. Comme ça. D'accord. MK Michel, je t'apprécie vraiment beaucoup. J'aime ce que tu fais. J'aime ta façon de raisonner. En fait, j'aime tout ce que tu fais. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ton couple, toi et Bob Dylan, c'est vraiment ouf. Donc, je ne sais pas comment je peux exprimer. Je sais pas ce que je Merci, peux dire sur votre couple, non, mon combat. Votre couple, mon combat. J'ai aimé la façon, en fait, j'ai aimé tout le feeling que vous nous avez donné quand vous étiez séparés, quand vous êtes remis ensemble. C'était trop. Je sais pas comment. Bon, je peux te dire bon ça. Maintenant, dis alors ce que tu voulais dire là. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il y a quelque chose que j'ai envie de faire dire. Depuis. Oui, dis ce que tu voulais dire là. Tu n'aimes pas je quand n'aime MK pas fait quoi? Je n'aime pas qu'elle pleure qu'elle en live. Quand elle pleure, ok. Je n'aime MK, on pas n'aime pas qu'elle quand tu pleure qu'elle pleures. en live. Qu'elle pleure qu'elle en live, ça m'énerve. Voilà, parce qu'il fallait que tu disais ça, sinon tu allais être mal à l'aise. MK, tu as suivi, non? Elle n'aime pas quand tu pleures. Ouais, la Bon, connexion de MK ta Michel, s'il te plaît. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire pour toi aujourd'hui. Tu as envie de faire quoi? Vas-y, elle t'écoute. Bon, quelque chose que je veux faire pour toi depuis. Je veux chanter, je veux rechanter le son que Bob Dylan a chanté pour toi. Si tu es d'accord, je vais le faire ici et maintenant. Chante, chante. Ici, là, c'est moi qui décide. Elle est là seulement pour écouter. Chante. D'accord. MK Michel, ce son, c'est pour toi. C'est pour toi et c'est seulement pour toi. En fait, c'est pour vous, toi et Bob Dylan. J'avais tout laissé enterrer tous nos souvenirs passés. J'apportais le live. Ce qui croyait toujours en nous. Trop loin pour pouvoir comprendre, trop loin pour pouvoir t'entendre. Que ce que tu voulais était qu'on reste ensemble. Combien de fois t'as essayé de me retenir, j'ai refusé, t'as tout donné. C'est juste pour qu'on reste ensemble. Combien de fois t'as essayé de me retenir, j'ai refusé. T'as tout donné juste pour qu'on reste ensemble. Tous les deux on peut le faire. Tous les deux on peut le faire. Tous les deux on peut le faire. Même si on est loin quand même. Oh oh. Et où c'est vraiment le meilleur? Je vous souhaite d'être heureux. Que le Seigneur protège vraiment vos corrélations, MK. Je vous aime. Bisous. Merci. Merci, ta... Voilà. Merci, Tafa. Je crois que MK, Michel, t'a écouté. Bon. On va faire... Tafa, je vais te faire descendre. D'accord. Et puis, parce qu'il y a des gens qui attendent en bas. Merci pour la belle chanson et ta belle voix. Bon, on va écouter maintenant... qui est monté avant, là? Leslie. Non, c'est Angèle. Angèle. Bonsoir, Angèle. Allô? Allô? Angèle ne parle pas. On va écouter Leslie, parce qu'après, Angèle, j'ai fait monter Leslie. Allô, Leslie? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Ok, merci. Bonsoir, MK Michel. Je voulais te dire d'abord toutes mes félicitations pour ton couple et t'encourager d'aller de l'avant, de ne pas écouter ce que les gens disent et de beaucoup te méfier de tout ce qui vous entoure parce que c'est pas tout le monde qui montre les dents avec vous qui est forcément fier de votre couple. Donc, fais ce que ton cœur te dit, écoute ton gars, écoute ton fiancé. Et va de l'avant. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Maman Audrey, c'est quoi le numéro de la page, s'il te plaît? J'ai perdu ça. Je souhaite appeler. Elle m'avait accepté. Il n'a pas accepté. Maman, il va aller dire ça. Merci beaucoup. Mon téléphone d'abord. Père Audrey. C'est moi qui m'a pas mis là-bas. Elle est sortie ça tout à l'heure. Voilà quelqu'un.
Ah, ok. Peut-être il y a... Peut-être, j'ai dit, hein, dites-moi en commentaire, il y a les gens qui ne veulent pas monter, qui pourraient appeler. On va vous mettre le numéro si vous voulez. Voilà une personne qui s'est perdue aussi, hein, franchement. Angèle Bansi, c'est Ban quoi là, je ne sais pas. Bonsoir. Angèle, elle nous entend même. Angèle. Mais comment quelqu'un monte et ne parle pas? Angèle Bangassa. Bon, je vais la faire descendre, hein. Malheureusement. Voilà, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Si ils n'ont pas assez d'abonnés. Vous voulez quoi? Si vous voulez le numéro, on va vous mettre le numéro ici. Ah, c'est la connexion. Tapotez alors, c'est la connexion. Tapotez, c'est la connexion. Donc, d'accord, Maria. Merci pour ta participation. Donc, comme je vous l'ai dit avant, je crois qu'il y a des gens qui étaient ici. Ah, il y a des gens qui sont là, qui attendent que j'aie oublié. Ah, la connexion dérange en Afrique. Ouais, désolé. Ah, la connexion. Désolé, désolé. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Donc, j'étais en train de dire que la plupart de... Il y a des choses que les gens ont dites ici, que moi, personnellement, j'avais déjà dit à MK Michel. Elle doit se poser, elle doit se poser, se calmer. Parce que les gens... Je t'en prie, Ceci. Les gens, les femmes que vous voyez qui vont vous dire... Je m'adresse même aux jeunes filles qui sont dans les lives. Qui ont leur gars et qu'on leur demande, qu'on leur dit que non, non celui-ci ne te mérite pas, hein, tu peux trouver mieux. Cherche un gars qui a la voiture. Je vais vous dire quelque chose. Les femmes que vous voyez dehors, là, qui dites qu'elles sont les femmes indépendantes, ceci, elles sont fières de l'être là, elles veulent qu'on les assume quelque part. Elles cherchent un homme. Elles veulent qu'on les assume quelque part. Les femmes qui vous dites là, qui vous disent tous les jours qu'on est femmes indépendantes, quand tu as la chance d'avoir ton petit foyer, quand tu as la chance d'avoir ton petit gars avec qui tu peux... Je vais vous dire, hein, quand toi-même, un homme qui a déjà tout construit, tout bâti, quand il vient te prendre, il te met chez lui, tu as même honte, tu n'es pas à l'aise. Parce que premièrement, sa famille ne te lâche pas. Ses amis ne te lâchent pas. Tout le monde te traite de matérialiste. Par contre, quand tu as ton homme avec qui tu as commencé, voilà Dylan. Dylan même ne dort même pas dans la boue. Il y a les gens qui commencent comme ça, les couples qui commencent, ils sont dans les petites maisons, les maisonnées même en planche là. Ils dorment là-dedans. Un jour, tu les vois, ils ont quitté la maison en planche, ils ont pris une chambre dans un truc bien. Après la chambre, ils vont dans un studio. Après le studio, ils sont dans un appartement. Un jour, vous entendez qu'ils ont construit leur maison. C'est ce qui est ça. Donc, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux, ils vous montrent une vie de rêve, une vie de ceci, tout ça, c'est rien. À la fin même, elles veulent un homme qui pourra les assumer. À la fin, elles veulent être quelque part où elles vont dormir comme ça et se réveiller le matin et dire que oui, que quelqu'un va leur dire, oui, tu as bien dormi, est-ce que ça va et tout. Elles-mêmes, elles cherchent ça. Ces femmes-là cherchent ça. Ça, je peux vous le confirmer. Elles veulent avoir des gars. Quand tu as ton petit gars, je vous dis que ce qui fait fuir la plupart des gars, je vous dis ça parce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont comme ça. Les jeunes filles d'aujourd'hui veulent aller en guerre, veulent faire la concurrence avec leur homme. L'homme, petit qu'il soit, même si ce n'est que la brouette qu'il a, respecte ça. Si tu ne lui donnes pas le respect, il va te fuir. Les hommes ne supportent pas les femmes. Dès qu'il a dit oui, il a dit un mot. Toi, tu en as dit 50. Si tu veux que ton couple marche, je ne parle même pas seulement pour MK Michel. Même vous, les jeunes filles qui êtes en commentaire là. Si tu veux que ton couple marche, il faut avoir une manière de parler à ton homme. La manière dont tu t'adresses à ton homme, c'est ça qui fera en sorte qu'il t'écoute ou non. Même si tu parles une fois, il n'écoute pas. Deux fois, il n'écoute pas. La troisième fois, il va t'écouter. Parce que la femme, comme vous voyez là, ce n'est pas pour rien qu'on appelle la femme ministre de l'Intérieur. Non.
Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est la femme qui tient le foyer. C'est parce que c'est la femme qui tient le foyer. Quand tu as la chance d'avoir un homme qui te respecte et qui n'est pas paresseux, ce que tu as tout gagné. Parce que le plus important, c'est d'avoir un homme qui se bat, un homme qui peut travailler, un homme qui peut faire quelque chose de sa vie. C'est ça le plus important. Donc tout ce que les filles qui vous blasent sur Internet, elle a ceci, elle a, ne regardez pas ça. Va à ton niveau, c'est chacun son niveau. Si tu veux mener la vie d'une autre fille, que dont j'ai vu telle sur les réseaux, elle est ceci, elle est cela, si tu veux mener, si tu veux les regarder, fais comme elle. Tu vas t'enfoncer très mal. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer plus tard. Chacun vit à son niveau. Si ta copine a une perruque, une perruque à 700 000 sur la tête, ne cherche même pas à savoir. Si tu vois que c'est joli, tu dis que ah, ma copine, franchement, ta perruque est belle, hein, tu passes dessus. Parce qu'il ne faut pas envier. Quand tu vois aussi ta copine qui est belle et qu'elle est bien habillée, tu peux aussi apprécier ta copine. Que, ah, ma soeur, tu es bien habillée. Hein. Quand tu as parlé, comme c'est fini. Ne cherche pas à savoir. Parce que si on vous dit ce que les filles font dehors, pour avoir ce que vous voyez là, ce que vous n'allez pas en croire à vos yeux. Je veux vous dire, les gens ont dit que non, le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas faux. Mais le terminus d'une femme, c'est le foyer. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais le terminus de la femme, c'est le foyer. Laissez ce que les gens vous racontent là. Le mariage n'est pas une fin en soi, je suis d'accord, mais le terminus de la femme, c'est le foyer. Toutes les femmes veulent qu'on les assume. Tu as ton petit gars, du moment où il te respecte, du moment où il n'est pas paresseux, parce que moi j'ai horreur des hommes feignants. Si c'est un gars qui se bat, qui se cherche, reste avec lui. Bâtissez ensemble. Bâtissez ensemble. Cherchez votre argent. Cherchez votre argent. Faites même les petits boulots. Si tu es là que tu peux faire ton petit boulot, si tu fais, pendant que tu fais, ton homme fait le truc. Pendant que vous faites comme ça là, vous économisez votre argent. Vous allez faire ce qui est bien avec. Laissez les histoires que les gens vous disent tous les jours que si vous voulez vivre longtemps, menez votre vie à votre niveau. Sinon, hein, chez nous, on dit que quand tu n'écoutes pas, c'est devant le tombeau que tu écoutes. Et tu écoutes où? Dans le cercueil. Tu écoutes où? Dans le cercueil. Devant ton tombeau, c'est là où tu commences à écouter. Mais il se fait très tard. Menez votre vie à votre niveau. Les histoires des réseaux sociaux, que oui, j'ai vu ceci, j'ai vu cela chez telle, ou vraiment telle influenceuse, elle te plaît que tu connais la vie qu'elle mène. Elle te plaît que tu connais quoi de ce qu'elle fait. Prends pour modèle une femme qui sort le matin, qui va vendre la tomate. Que pour modèle, celle-là qui va chez Louboutin, acheter les Louboutins à 1 million, pourtant tu ne sais pas où elle travaille. Prends pour modèle la femme qui sort le matin, elle allume son feu, elle fait ses beignets. Prends celle-là pour modèle. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, elle-même, elle cherche les foyers avec la torche. Si tu veux vivre longtemps, mène ta vie à ton niveau. Quitte à ce qu'on te dise que ton gars est pauvre, ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes pauvre dans la paix, vous allez vous chercher. S'il n'est pas paresseux, s'il n'est pas feignant, c'est le plus important. Cherchez votre vie. Allez-y pas à pas. C'est à chacun. Si tout le monde était riche, ce qu'on fait comment? Chacun fait sa vie à son niveau. On n'est pas sur les réseaux. Les histoires, les gens viennent sur les réseaux sociaux pour vous bluffer, pour vous montrer que la vie n'est facile. La vie n'est facile nulle part. Le mariage, là, même n'est pas facile. Le mariage, même, n'est pas facile. Moi-même, là, je suis entrée dans le foyer, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. J'ai pris un an de congé, je suis partie, je suis revenue. Parce que non, le foyer demeure le foyer. Ce n'est pas facile. Mais on fait avec. Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, bon retour à nos abonnés, bon retour aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Bref, bon retour à tous. Save the dates, save the marriage. Ah, Maman Audrey, je recommence encore à avoir goût dans Maman Audrey, car c'est une femme qui a vécu. Elle a vécu, elle a vraiment vécu, elle nous a donné son expérience et elle a dit des histoires vraies.
Elle a des histoires vraiment qui sont vraiment vraies dans les mariages. On a tous vécu, on est ici. Le mariage, c'est pas facile, hein? C'est pas que tu te réveilles demain et puis le matin tu te maries, même si tu fais ça. Mais c'est pas quelque chose, comme on dit dans mon pays, c'est pas quelque chose comme l'arachide et le pain que tu vas aller en trouver n'importe où et puis tu fais avec ça n'importe quoi. C'est dur, les mariages. Alors, quand vous êtes marié ou bien quand vous êtes fiancé, parce que quand vous êtes fiancé, là, vous êtes déjà prêt à vous marier. Parce que quand vous fiancez quelqu'un, cela veut dire que vous avez choisi la personne auquel vous voulez vivre avec pour votre vie. C'est choisir. Donc, il faut fermer les oreilles, fermer les yeux. Des fois aussi, c'est mieux aussi de fermer la bouche. Car il y a des gens qui vont vous combattre de toutes les façons. Surtout des relations comme Bob Dylan et puis MK Michel là, qui est dans des réseaux sociaux, désolé, qui sont dans des réseaux sociaux, la relation qui est étalée devant tout le monde, c'est pas facile. Il y a beaucoup de jaloux qui rient avec vous, qui sont là à vous dire, ah, oh, on vous aime, un tel, un tel. Mais ce sont les same people, ce sont seulement les gens-là qui font tout pour détruire votre relation. Dans le monde ici, il faut faire trop attention. Quand vous êtes là, fiancés comme ça, il faut faire confiance l'un à l'autre. Que ton oreille soit dans sa bouche, que sa bouche soit dans ton oreille. Donc, il faut pas écouter les gens. Il faut pas écouter les gens. Si c'est quelqu'un, une maman comme maman Audrey, qui vous donne des conseils, là, ah, on accepte. Mais les ondes dit des autres gens, là, peut-être eux-mêmes là où ils sont assis, ils ne sont pas mariés ni fiancés, mais ils se permettent ou elles se permettent de dire quelque chose. Si vous écoutez ça, vous mettez dans les cœurs, vous allez vous séparer. Le passé de MK Michel, ça a quoi? Anyway, on ne prend pas de part, ni des autres gens là, ni de MK Michel, ni de Maman Audrey, ni de n'importe qui. Nous, on a soi seulement. On dit, les seconds noms de Dieu, c'est le temps. On va nous asseoir. On va voir si les jaloux ont raison, ou si Maman Audrey, ou bien MK, Michel et puis Bob Dylan ont raison dans cette histoire du passé des MK. Nous, on ne prend pas de part. On est assis dans notre coin. On nous retient, on nous ressaisit calmement au calme. Donc, pour ne pas prendre part de quelqu'un ici. Car c'est Dieu qui voit aux profondeurs de tout. C'est Dieu qui voit là où. Là où on dit que c'est l'endroit le plus ténébreux du monde. Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit nos cœurs et nos actions qu'on fait derrière la porte ou bien derrière les gens qu'on connaît. Alors, on laisse Bob Dylan et puis MK Michel entre les mains de Dieu. Que Dieu les regarde, parce que Dieu ne supporte pas le divorce ou bien la séparation des gens qui s'aiment comme Bob Dylan et puis MK Michel. Alors, on a affaire à quoi? À prier pour eux, pour qu'ils réussissent, pour que les jaloux là, même si quoi que ce soit qui est arrivé au passé, même si MK Michel a fait quoi que ce soit, que ça soit effacé, le pouvoir de pardon. Alors, c'est ici qu'on s'arrête pour ce moment. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci à nos abonnés infiniment. Merci aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. C'est par ici qu'on se sépare à ce moment. Donc, on vous aime énormément, gravement, grave. Nos abonnés, là, on ne peut jamais cesser combien de dire combien on vous aime. Donc, on vous aime. Et on vous fait vos bisous. On se revoit à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera à la prochaine épisode? Alors, cliquons tous sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Car personne ne sait qu'est-ce qui sera. Même moi, je suis assise là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va me donner comme vidéo, qu'est-ce qu'on va décider comme vidéo. Alors, cliquons sur la cloche de notification tous ensemble. Bisous, bisous.
on se voit à la prochaine épisode et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.